Dès qu'il s'agit de réaliser des cascades pour le cinéma, la publicité ou la télévision, le nom de cette famille est sur toutes les lèvres. Julien, celui qui a transformé la cascade en ingrédient du 7e art. Que l'on vous demande de citer le nom d'un cascadeur de cinéma. À 99%, vous répondriez... Bonjour, my name is Julien, Rémi Julien. J'ai participé à plus de 1000 films et maintenant, je vous accompagne sur les décors. Oh, le con, alors. Rémi Julien, deuxième. Bonjour, my name is Julien, Rémi Julien. J'ai eu un award aux États-Unis pour l'un des jeunes mondes auquel j'ai participé, rien que pour vos yeux. Et ma foi, je vous dis bonjour. Je suis devenu cascadeur tout à fait par hasard. Un jour où Gilles Delamarre, le fameux maître de la cascade, a eu besoin d'un type habile pour faire des évolutions moto pour doubler Jean Marais dans le film Fantomas en 1964. Dans mon enfance, j'avais véritablement des choses à prouver. J'étais bourré de complexes, d'inhibitions. Et ce qui fait qu'en fait, je pratiquais pour exorciser tout ça, le sport où je me dépensais sans compter. Et puis, ce sport qui m'a amené directement à la cascade a fait que j'ai pu véritablement extérioriser tous mes démons, tous mes complexes. Après, je me suis aperçu que ce besoin et cette manière de pouvoir vaincre des difficultés pratiquement insurmontables procurait des satisfactions intenses. La peur se traduit par une espèce d'angoisse intérieure qui serre la poitrine, c'est le trac. Par contre, au moment d'y aller, c'est tellement difficile de faire ce geste juste au moment juste que la peur doit être évacuée. Je n'ai plus peur de la mort à partir du moment où j'ai subi un accident, j'ai eu un accident de la route. Et là, j'ai quitté la route à haute vitesse pour faire effectuer un bond prodigieux dans la montagne en Italie. Et j'ai fait 47 mètres sans toucher terre avec une Porsche, fait 150 mètres de tonneau après. Et là, j'ai eu la trouille de ma vie, c'est le cas de le dire. Et donc, je m'en voulais férocement d'avoir ressenti cette peur, ce qui fait que quelques mois après, pour me guérir, pour exorciser ces démons, j'ai pris place à un endroit, j'ai pris la place d'un cascadeur. Je n'avais absolument pas besoin de faire ça, mais je m'y suis mis volontairement parce que j'ai horreur du vide. Et je me suis mis dans une voiture qui était suspendue à 70 mètres de hauteur au-dessus du Tower Bridge à Londres. Et puis cet accident italien m'a aussi, si vous voulez, m'a véritablement changé la philosophie de la vie. Parce que je me suis dit, là, je devrais être mort. Tout ce que je fais maintenant, c'est du supplément. Si Rémi Julien n'avait pas été cascadeur, il ne se serait probablement pas sorti vivant de cet accident. Je me défends d'être superstitieux, parce que j'étais superstitieux. Si par exemple je passe sur une scène où je vois un chat noir passer au moment où je me rends sur un tournage pour faire une cascade, là la production serait mal. Hein. Quand il y a une équipe de 100 ou 200 personnes qui sont prêtes à opérer, ça ferait quand même mauvais effet. Alors ici sur le film de Pascal Légitimus, Anti-sur-scène, on a fait une circulation, on a fabriqué une circulation artificielle avec des pilotes de l'équipe où les deux voitures en poursuite, qui étaient deux ambulances, se livraient à toutes sortes de manœuvres complètement illicites d'une circulation normale. Comme vous voulez. Attention les gars, 5 secondes, 3, 2, 1, go. Je
je participe à un film comme ça, je suis très près du réalisateur. Parce que le réalisateur a ses idées, ses fantasmes, on pourrait dire, et je dois savoir impérativement ce dont il a besoin. Et là, je suis vraiment très très libre, que ce soit avec Pascal Légitimus ou d'autres, ils me font confiance, et ils savent que si je dis ce n'est pas possible, c'est pour le bien du film. Ce que je pensais faire, c'est... trace de freinage de l'Accentia et tout de suite après une caméra dans l'Accentia qui va massacrer le truc. Hein. En principe, je participe bien sûr à la position des caméras, aux angles de caméra. Alors pour sentir ça, il faut savoir ce que c'est que le cinéma. Pourquoi un angle? Pourquoi une caméra? Pourquoi une vitesse? Donc je me suis appliqué à connaître tout ça. Et pour moi, c'est véritablement devenu une passion, ce métier de cinéma, en dehors de la cascade proprement dite. Ce qui fait que j'ai appris à être scénariste et en même temps réalisateur. Si je n'avais à faire que des cascades, ça m'étonnerait que je continue dans le métier. Fais un petit saut là en passant. Ouais, c'est le prétexte souvent, c'est les camions qui déchargent leurs voitures, qui nous laissent un tremplin. C'est génial. Mon sentiment de mettre quelqu'un en danger, je l'ai en permanence. À partir du moment où on entreprend une action à risque, il est complètement évident que le risque zéro n'existant pas, on met des gens en danger. Et à moi de prendre des précautions de manière à ce que ce danger ne se transforme pas en catastrophe. Bon Gilbert, on est prêt? Maintenant, on tourne. L'esprit d'équipe, c'est quelque chose qui est complètement indispensable dans notre profession où il faut une confiance réciproque absolue. C'est un peu comme un pilote de rallye avec son copilote. Quand deux voitures vont se croiser et vont se toucher à un endroit très précis, ça nécessite une précision de l'ordre du centième de seconde. S'il n'y a pas la confiance absolue, alors où on va, c'est rigoureusement impossible.